Les jeux sont faits, rien ne va plus. On a le choix entre la peste et le choléra, entre l'extrémiste europhobe et le macronophage égocentriste. Le populisme n'est pas un gros mot quand il fait appel aux intérêts du peuple, mais ce sont des gros mots quand on exacerbe les nationalismes à outrance. Quand on propose de sortir de l'Europe et de l'euro qui serait responsable de tous nos problèmes pour nous conduire à la ruine. La démagogie, elle, manipule le peuple pour s'attirer ses faveurs, notamment en utilisant un discours flatteur attisant les passions. C'est ainsi que se présente la lutte finale de cette élection. C'est l'héritage d'un président normal, sans tripes, pour un futur président sans parti. Même le vote blanc est politiquement incorrect, jamais décompté dans les suffrages exprimés. On va rentrer dans une zone de turbulence désastreuse en période de crise économique.